Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission essentiellement consacrée à la rencontre entre le chef de l'État et le leader politique qui a eu lieu à la présidence mercredi dernier. Eh bien, les partis de l'opposition, tout comme la majorité, étaient conviés à cette concertation. Pour nous en parler avec nous ce soir, nous avons Madame Ileya Ismaël Guédi Haret, présidente du Parti de l'Union pour la démocratie et la justice. Bonsoir Madame. Bonsoir. Merci d'avoir répondu donc à notre invitation pour revenir donc à cette déclaration, cette brève déclaration du président de la République lors de cette réunion de concertation entre le président de la République et les leaders politiques qui étaient donc principalement axés sur des sujets comme l'unité nationale, la cohésion sociale, la recherche des bonnes volontés, maintenir le cap de la croissance économique, etc. Eh bien, avant de rentrer dans le vif des sujets, écoutons donc l'intervention du président de la République. J'ai voulu discuter un peu avec vous aujourd'hui pour mettre un certain nombre de choses qui requièrent notre adhésion pour l'unité nationale, pour la cohésion nationale, quelles que soient les différences d'opinion, mais pour ce qui nous concerne, ce qui nous intéresse d'abord, c'est notre pays, c'est notre unité dans la diversité. Nous pouvons mettre tous nos efforts pour que notre pays continue sa progression, son progrès, sa croissance, pour que notre pays soit un pays fort, un pays ouvert, un pays qui continue à s'occuper de ses affaires, de son économie et de son unité. Nous sommes fiers de pouvoir compter depuis quelques années une croissance continue, une croissance qui est au-delà de 8%. Nous avons démontré notre volonté et notre capacité de pouvoir penser à nos enfants, à nos écoles, à notre santé. Nous pouvons dire aujourd'hui qu'il y a une propension de baisse du chômage. Et notre combat aujourd'hui, c'est comment maintenir le cap, comment, avec les changements et le bouleversement de la région, comment garder notre personnalité, notre pays, et comment continuer notre chemin vers le progrès, comment réfléchir à consolider notre cohésion nationale, n'est-ce pas, et comment démontrer notre solidarité envers ceux qui, parmi nous, ne peuvent pas travailler, ceux qui ne peuvent pas se loger, ceux qui ne peuvent pas se soigner eux-mêmes. Comment faire vivre les nomades qui souffrent, n'est-ce pas, des aléas de la sécheresse et leur montrer que nous sommes à leur côté, en leur offrant un minimum de vie, en leur offrant l'eau nécessaire, en leur offrant la possibilité de se soigner et de s'éduquer, surtout dans les zones rurales les plus reculées. Nous devons mettre tous nos moyens pour qu'il n'y ait pas deux sociétés qui ne vivent pas en symbiose. Et nous devons rechercher tous les moyens, toutes les bonnes volontés, tous ceux qui concourent
à nous unir, à nous unifier, à penser toujours à notre peuple et à notre pays. Et qu'on continue à profiter de toute occasion qui nous est offerte pour que nous soyons respectés parmi les pays de la région et du monde pour notre capacité de gérer notre pays dans la tranquillité, la stabilité et vers le progrès, vers le numérique, vers ceux qui veulent vivre avec nous dans l'amitié et la fraternité. Vous êtes les membres de la communauté nationale, vous êtes ceux qui font l'opinion de ce pays. Vous avez une responsabilité, chacun d'entre vous, qu'il soit de l'opposition ou de la majorité. Ce qui nous unit, c'est le pays, c'est la cohésion nationale. Ce qui nous unit, c'est le drapeau. Ce qui nous unit, c'est la Constitution. Ce qui nous unit, c'est l'amour de ce peuple, de ce pays. À nous, maintenant, de maintenir, si vous voulez, un dialogue continu pour garder notre volonté d'aller de l'avant. Madame Ileya, donc merci encore une fois. Vous avez été conviée donc à la rencontre entre le président de la République et les leaders des partis politiques, que ce soit de la majorité ou de l'opposition. Votre première impression, comment voyez-vous donc cette initiative du président de la République? Nous avons salué en premier l'initiative du président. C'est une initiative plus que louable et sans précédent dans notre République. Cette rencontre permettra de consolider la démocratie, l'unité nationale et la cohésion sociale. Souhaitez-vous donc une pérennité à ce genre de rencontre? Oui, le pays en a besoin. Nous devons se concerter, les leaders des partis politiques, que ce soit de la majorité et de l'opposition. Nous devons nous unir vers l'intérêt général du pays. Eh bien, deuxième question, madame. Selon vous, pourquoi cette rencontre entre le président de la République et les leaders des partis politiques intervient-elle aujourd'hui? Vous savez, en tant que leader de l'opposition, nous avons attendu cette rencontre. Cette rencontre intervient à point. En voyant la situation actuelle de la sous-région, vous savez, Djibouti incarne le pays, on peut dire même le pays le plus stable de la sous-région. Et cette rencontre permettra en effet de consolider et de maintenir notre stabilité et notre paix. Cette rencontre même démontre que le président est attaché à la démocratie, à la concertation, au dialogue. Donc l'unité nationale également, Madame Ileya, a été le maître mot donc de la déclaration, déclaration du président de la République. Pour vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, l'unité nationale, c'est l'instrument primordial d'une action commune dans un pays. Et cette unité doit être consolidée, doit être fortifiée. Nous, l'opposition, nous sommes prêts à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement pour le pays, pour maintenir notre unité, pour maintenir la cohésion sociale, pour maintenir, notre nation dans cette stabilité. Le chef de l'État donc a également insisté dans son intervention le vivre ensemble, vivre de manière symbiose. Pour vous, que voulait-il dire par là? Je crois qu'il faisait référence à la cohésion sociale. Vous savez, pour limiter le creux
le creux entre les différentes souches de la population, entre les différentes catégories différentes catégories sociales. Il faudrait des réformes ont été déjà entreprises, des politiques sociales sont déjà mises en place, mais il faudrait, hein, d'après nous, mettre en place une politique sociale axée sur la justice sociale pour permettre une meilleure redistribution des richesses. Sur la scène de... Allez-y. Je crois que le président, en rencontrant les différents leaders des partis politiques, je crois que, en quelques mots, nous pouvons dire que le président s'est concerté avec son peuple. Il s'est concerté avec ses concitoyens. Donc effectivement, vous représentez donc les concitoyens djiboutiens également sur la scène politique. Votre parti de l'Union pour la démocratie et la justice participe donc aux échéances électorales depuis maintenant quelques années, alors que certains opposants ou de l'opposition n'y croient pas. Vous savez, nous sommes une opposition qui prône la démocratie. Chaque échéance électorale a son importance, que ce soit les communales que nous avons participé en 2017. Là, nous avons obtenu 3 élus locaux. Les législatives de l'année dernière, là où nous avons obtenu, c'était une victoire personnelle. À ce moment-là, nous avons obtenu 7 représentants à l'Assemblée nationale. C'est beaucoup. Nous sommes une opposition qui est attachée à sa patrie, aux valeurs de la paix, aux valeurs de paix et de stabilité de notre pays. Et donc, si certains n'y croient pas, nous croyons à notre pays, nous faisons confiance à notre peuple et nous croyons plus que tout à notre souveraineté. Selon vous, quelle opposition incarnez-vous ? Comme je l'ai dit plus haut, nous sommes cette opposition qui constructive, c'est-à-dire qui peut parfois s'opposer, mais également propose. Une opposition qui prône le dialogue dans toutes les situations. On arrive donc à terme de cette émission, essentiellement donc consacrée à la rencontre entre le chef de l'État et les leaders des partis politiques, que ce soit de l'opposition ou de la majorité. Idaïa Ismaël et Idaïa Haled, un mot de conclusion sur cette rencontre et sur ces événements qui se passent au niveau régional et de la sous-région. Cette rencontre permettra de consolider l'unité nationale. L'unité, c'est vrai que notre pays est un pays stable, mais nous ne devons pas, laisser de côté le dialogue. L'unité nationale doit primer avant tout. Il faudrait continuer ces concertations. Nous, en tant qu'opposition, nous sommes prêts effectivement à continuer les concertations avec la majorité pour les discussions d'intérêt général. Merci Madame Idaïa Ismaël Guédé Haled. Je vous rappelle que vous êtes donc la présidente du Parti de l'Union pour la démocratie et la justice. Voilà donc pour cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci. Et bonne suite des programmes.